قضايا قضايا في المحاكم تتحل في أسبوع مقابل الرشوة، قضايا تتحل في شهر مقابل الرشوة، وقضايا ما تتحلش على 4 سنين، على 4 سنين أو 10 سنين حيت ما تتعطاش فيها الرشوة. حنا دولة إسلامية، من غدا غادي نصوتوا على هذا القانون، وهو جميع القضايا خصها تتحل في 3 شهور عن طريق الجمعيات مساعدة الضحايا اللا عدالة. أنا أدق ناقوس خطر 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 خطر. لماذا لم يطبق القانون؟ لماذا لم يطبق القانون؟ لماذا لم يطبق القانون؟ لماذا لم يطبق القانون؟ لماذا لم يطبق القانون في المحكمة اللي هي دار الحق والقانون؟ Son histoire commence comme un conte de fées. Zakaria Moumni, jeune Marocain né il y a 35 ans dans les quartiers populaires de Rabat, se lance dans le kickboxing pour s'en sortir. À 19 ans tout juste, à force d'un travail acharné, il devient champion du monde de la discipline. La première médaille d'or du règne de Mohamed VI. Mais sans le savoir, Zakaria Moumni vient d'entamer une lente descente aux enfers. Aujourd'hui en France, reconstruit grâce à son épouse Taline, il raconte dans ce livre son histoire, un livre écrit à deux mains. Ça s'appelle « L'homme qui voulait parler au roi », c'est publié aux éditions Calman Lévy. Bonsoir Zakaria Moumni, merci d'être avec nous. Bonsoir merci. Également à vous Taline Moumni, on l'aura donc compris, vous êtes l'épouse de Zakaria Moumni, ancien champion du monde de kickboxing. Alors c'est un jour de 1999, vous devenez champion du monde de kickboxing. Avant d'aborder l'affaire, quel souvenir est-ce que vous gardez de cette victoire? Bah, le souvenir de la fierté que j'ai ramené à mon pays, le Maroc. J'étais le seul Marocain qui a gagné ce titre mondial, le seul Africain, le seul Arabe dans ce championnat du monde. Et j'étais le premier sous le règne de Mohamed VI. Alors, la réalité est plus compliquée parce qu'on pourrait dire que le vrai combat, il a commencé ce soir-là au pied du ring. Exactement. Exactement. Parce que normalement, dans la loi marocaine, il y a un décret royal qui donne le droit à chaque sportif titré champion du monde d'avoir un poste de conseiller sportif. Moi, j'ai demandé ce poste qui est un simple droit légitime. Ils m'ont fermé toutes les portes et tout. J'ai dû rencontrer le roi. J'ai fait tout. D'ailleurs, je l'explique bien dans le bouquin. Dans ce livre, ouais. J'ai rencontré le roi Mohamed VI à Rabat en 2006. Il a donné ses ordres. Le lendemain, j'étais reçu par son secrétaire particulier, Mounir Majidi, dans le palais Rabat-Chouarga, à Rabat. La première des choses qu'il m'a dit le secrétaire du roi, est-ce que tu connais le premier Marocain qui a gagné une médaille? C'était une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et ce mec, il a vécu toute sa vie pauvre. Il est mort pauvre. Donc moi, j'étais choqué. J'ai répondu, j'ai dit, premièrement, je ne suis pas pauvre. Deuxièmement, je ne mourrai pas pauvre. Et troisièmement, moi, j'ai rencontré le roi et je demande juste l'application d'un droit légitime. Pour vous, ce jour-là, ça voulait dire non. C'était une fin de non-recevoir lorsqu'il vous cite cet ancien... Au contraire, parce qu'à la fin, il m'a confirmé, il m'a dit que Sa Majesté a donné ses instructions. Il m'a chargé personnellement à s'occuper de ton dossier et qu'il allait m'appeler dans la semaine à venir. Bon, après, il n'y a plus personne qui m'a appelé. Quand j'ai contacté le palais royal, ils m'ont fait comprendre que Mounir Majidi ne me connaît pas. Il m'interdit de rien avoir rappelé, sinon j'aurais des sérieux problèmes. Et on va y venir. Taline Moumni, je me tourne vers vous. C'est une histoire qui a défrayé la chronique, notamment dans les journaux français, mais pas seulement. Vous avez rencontré Zakaria Moumni en France. Dans quel état d'esprit était-il à ce moment-là? Alors, j'ai rencontré un jeune homme qui était dont la passion était le sport. Ouais. Il ne m'a pas raconté tout de suite les déboires avec le ministère de la Jeunesse et des Sports au Maroc, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui m'a paru passionné par sa discipline,
Par la suite, on a eu l'occasion d'aborder ensemble ce que, effectivement, les fins de non-recevoir qu'il a pu rencontrer au Maroc. Et puis, surtout, on a compris que le système était corrompu à tous les échelons. De la fédération de kickboxing à laquelle il appartenait lorsqu'il a représenté le Maroc au championnat du monde, jusqu'au plus haut lieu du gouvernement marocain. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Est-ce que vous avez des preuves? Vous avez enquêté? D'abord, c'est ce que mon mari m'a beaucoup raconté. Ouais. Et puis par la suite, les faits parlent d'eux-mêmes. Ce qui est arrivé pour le neutraliser, pour qu'il et justement qu'il arrête de revendiquer ouais, et de réclamer ce droit légitime. Ouais. Puis l'injustice dont il a été victime. Zakaria Moumni, vous réclamez donc ce poste de conseiller sportif, disons-le, et vous l'assumez avec insistance. Selon les autorités, vous êtes justement trop insistant. Que répondez-vous à cet argument ? Trop insistant ? Ben, moi, je suis un simple citoyen. Pour les citoyens, il y a des devoirs, il y a des droits. Pour moi, j'ai accompli ma part de devoir. J'ai représenté le Maroc, j'ai levé son drapeau fièrement. Ouais. Ben, la part de l'État, ils n'ont pas... Mais vous étiez prêt à tout quand même. Je vous lis page 23, vous dites, je savais que l'occasion s'est présentée, vous l'avez dit tout à l'heure en 2006, savais que quand il était à Rabat, Mohamed VI aimait se promener en voiture dans le centre-ville ou vers la plage. Je me suis transformé en enquêteur et au bout de 2 mois, j'ai fini par baliser méthodiquement les rues qu'il empruntait lors des différents itinéraires. Et vous dites, j'ai aussi sympathisé avec un policier sur le trajet, parce qu'il aimait la boxe, hein, vous dites, et vous lui avez donné 200 euros. Donc, vous dénoncez la corruption, mais vous avez utilisé aussi ce moyen-là. C'était le seul moyen pour arriver devant le roi. Ouais. C'était le seul moyen. Il faut savoir que j'ai parlé avec la fédération. J'ai commencé avec la fédération, j'ai réclamé ce droit légitime. J'ai même rencontré le ministre de l'époque de la jeunesse et des sports. C'est lui qui m'a donné la copie de ce décret royal. Il n'a rien fait. Donc, il restait une seule porte, c'était la porte du roi du Maroc. Et pour le trouver, je ne peux pas aller toquer au palais royal, ils ne vont pas m'ouvrir les portes. Toujours est-il que Zakaria Moumni, un jour de septembre 2010, vous vous rendez au Maroc et là, tout va basculer. Racontez-nous. Alors, d'abord, le problème, il a commencé à Paris. Il a commencé devant le château de Bay, la résidence du roi Mohamed VI, ici en France. J'ai manifesté le 25 janvier 2010 et j'étais menacé par le secrétaire particulier du roi, Mounir Majidi. Il m'a dit clairement comme ça, « T'as de la chance d'être en France, si t'étais au Maroc, on t'aurait déjà fait la peau. » Comme ça. Quand je suis rentré au Maroc, c'était pour demander l'autorisation à la fédération marocaine pour pouvoir représenter le Maroc au championnat du monde qui allait se dérouler le 16 octobre de la même année, 2010, de la même année à Édimbourg. Là, j'étais arrêté à l'aéroport pour motif atteinte à la sacralité du roi, c'est-à-dire atteinte à la personne sacrée du roi. Après, j'étais enlevé par quatre agents de la DGST marocaine. Ils m'ont mis dans une voiture banalisée. Une fois dans la voiture, ils m'ont bandé les yeux, ils m'ont allongé sur les genoux d'un des deux, ils m'ont recouvert d'une veste. C'était un kidnapping. On a roulé à peu près 45 minutes, 50 minutes. Après, je me suis retrouvé dans un lieu secret qui s'est avéré par la suite le triste et célèbre centre de torture Témara, qui est d'ailleurs aujourd'hui reconnu officiellement par les États-Unis parce que les Marocains sous-traitaient la torture pour les Américains dans ce centre-là, qui d'ailleurs se trouve à seulement 2 km de la résidence du roi Mohamed VI. Comme vous voyez ici, là, on a le centre de torture Témara, c'est le siège de la DGST marocaine, et là, à seulement 2 km, la résidence royal et vous du racontez roi dans ce livre ce que vous allez vivre dans ce site. Taline Moumni, sur ce qu'a subi votre époux dans cette prison, lorsqu'il vous le raconte, qu'est-ce qui vous frappe le plus ? Alors, comme on le raconte dans le livre, tout d'abord, je n'étais pas au courant de ce qui lui est arrivé. Ouais. Je suis restée sans nouvelles de lui pendant 4 jours. Mmh. Il a réussi à m'appeler de la prison où il avait réussi à tomber, on ne sait comment. Donc le jour où j'ai eu cet appel, effectivement, d'un côté, j'étais soulagée que mon mari n'ait pas été tué, puisque... Il est en vie. Mmh. Qu'il soit en vie, puisque c'était une hypothèse que nous n'avons pas écartée. Des militants des droits de l'homme ou des associations m'ont un peu expliqué comment ça se passait. Alors, moi, je ne connaissais absolument rien de la politique marocaine ni des pratiques qu'on peut malheureusement trouver sur place. Et effectivement, je suis tombée des nues et je suis vraiment passée du paradis à l'enfer, ne sachant absolument pas
pas vers qui me tourner, vers quelle organisation me tourner. Et puis, bien évidemment, je n'allais pas me tourner vers le gouvernement marocain ou les autorités marocaines. Ouais. Puisque nous avons très rapidement compris que tout ça était une mascarade de procédure pour le neutraliser. Alors juste, cette affaire a fait l'objet d'une longue procédure, je m'adresse à vous. Pourquoi ce livre aujourd'hui précisément ? Alors ce livre est en fait c'est l'aboutissement d'un processus qui nous a demandé beaucoup de réflexion à mon mari et à moi. Lorsqu'il est rentré, qu'il a été gracié finalement par le roi Mohamed VI en 2012, nous avons déjà essayer de nous reconstruire en tant que couple. Et donc l'idée de ce livre, en fait, nous est venue parce que nous voulons absolument aujourd'hui laisser la trace de notre témoignage. C'est la raison pour laquelle le récit est à deux voix, puisqu'il était absolument vital pour mon mari d'expliquer ce qui lui était arrivé, ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, alors que c'était en 2010. Et puis moi, de mon côté, aussi d'expliquer de quelle manière j'ai pu combattre et comment nous avons pu collecter tous ces soutiens et puis de médiatiser cette affaire. Alors, vous racontez notamment dans Sif Zakaria Moumni comment, par exemple, l'homme peut résister à beaucoup de choses, y compris sur ce que vous avez vécu dans cette prison. Vous racontez aussi comment courir après 20 heures le soir, ça vous a aidé à vous libérer. Est-ce que vous êtes tout de même conscient de l'ampleur qu'a pris cette affaire au bout de certaines années, à savoir des tensions aussi entre Paris et Rabat? Est-ce que vous assumez aujourd'hui? Bien sûr, j'assume totalement. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi, j'étais torturé. J'étais enlevé, séquestré et torturé par le directeur de la DGST marocaine, que j'ai pu voir et identifier dans le centre. Il était présent dans le centre de torture, dans la salle de torture. Il faut savoir que j'étais mis nu une fois arrivé dans ce centre de torture. J'étais ligoté, les pieds et les mains reliés par une chaîne. J'étais privé de sommeil, privé de nourriture, privé d'eau. Il me versait de l'eau sur moi. C'est à ce moment-là que j'ai pu boire quelques gouttes d'eau. J'étais menacé de mort. Sans cesse, il me répétait qu'ici, c'était l'abattoir de Sa Majesté, qu'ils vont me découper, faire de moi de la viande hachée et que je sortirai dans des boîtes de cancer. Il me disait sans cesse que ça m'apprendra d'aller manifester devant la résidence du roi ou citer Mounir Majidi, le secrétaire particulier du roi, dans les médias. Il me disait aussi que eux ne dépendent ni du ministère de l'Intérieur, ni du ministère de la Justice, que eux travaillent directement avec le roi, et ça, c'était les ordres du roi. Alors, Taline, votre épouse vient de le dire, Taline Moumni, quelle est la suite maintenant? Que comptez-vous faire? On l'a dit, vous avez été gracié. Quelle suite comptez-vous donner à votre combat? Après la grâce, il faut savoir que le gouvernement marocain, le pouvoir, l'entourage proche du roi, ils sont rentrés en contact avec nous pour essayer d'acheter mon silence. La première des choses, il y avait le ministre de l'Intérieur de l'époque qui s'appelle Mohamed Lansa. Il m'a contacté et il m'a expliqué qu'il était mandaté par le roi. Il y avait un autre émissaire, l'émissaire qui est venu me voir en prison pour m'annoncer que le roi allait me gracier, qu'il croit en mon innocence et qu'il allait me gracier le jour de mon anniversaire et qu'il allait juger les tortionnaires. Il faut savoir aussi que j'étais gracié le jour de mon anniversaire. Acheter mon silence, ça veut dire quoi concrètement? Acheter mon silence. L'émissaire qui est venu me voir en premier, qui s'est présenté comme ami proche de Mohamed VI, il m'a dit que je peux avoir un club à 2 millions d'euros. Un club à 2 millions d'euros, j'ai tous les enregistrements. Après, le ministre de l'Intérieur, il nous a invités, mon épouse et moi, pour se rendre au Maroc pour avoir audience avec le roi Mohamed VI. D'ailleurs, avant de se rendre au Maroc, on a prévenu ici le Quai d'Orsay et l'Élysée de ce déplacement. Une fois sur place, on n'a pas pu voir le roi. Par contre, le ministre de l'Intérieur m'a proposé la réparation matérielle. La réparation matérielle. Il m'a proposé entre 5 et 6 millions d'euros pour m'acheter un club ici à Paris. Mais il fallait que je tourne la page. Et non seulement il fallait que je tourne la page, mais il fallait que je compose avec le commanditaire et le tortionnaire. Juste en quelques mots. Peut-être, vous n'avez pas tourné la page en tous les cas de la boxe. Quel est votre avenir d'un point de vue sportif? Mon point de vue sportif aujourd'hui, il faut savoir que je ne suis plus marocain. Une fois que j'ai acquis la nationalité française, j'ai renoncé à la nationalité marocaine. D'ailleurs, ça, c'est mon passeport marocain, comme vous le voyez ici. Est-ce que vous n'êtes pas dur d'assimiler, par exemple, tout ce que vous avez vécu au Maroc, le peuple? Je le dis cher, parce que pour moi, je ne peux pas être lié à un pays qui torture ses propres citoyens. Ça, je ne peux pas l'accepter. J'étais torturé alors que j'avais levé le drapeau de ce pays. Il faut savoir que j'ai déposé plainte après. Pas après, mes avocats, Maître Patrick Baudouin, président d'honneur de la FIDH, et Maître Clément Spectacle ont déposé plainte en mon nom au pôle spécialisé crime contre l'humanité, crime de guerre, pour fait de torture. Et d'ailleurs, au terme d'un procès verbal de synthèse en mars dernier, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et crimes de guerre, à la suite de longues investigations, expertises médicales et psychologiques, a conclu qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que les infractions de torture ou actes de barbarie ont été commises et peuvent être retenues
contre Abdellatif Hammouchi, le chef du contre-espionnage. Ce sera le mot de la fin. L'homme qui voulait parler au roi, Taline et Zakaria Moumni, c'est aux éditions Kalman Lévy. Merci à vous d'être venu témoigner sur ce plateau sur TV5 Monde. فقراتي اعتقد ان عدالتنا اليوم بكافه مكوناتها تتوفر على خارطه الطريق بمستطاعنا اذا تضافرت جهودنا جميعا وتوفر ما اطلق عليه جلاله الملك بالضمير المسؤول وتوفر الضمير المسؤول ان نجعل من عدالتنا عداله لن يخيب ظن المغاربة فيها لأننا لدينا طموح كبير في أن يتحقق الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ولكن ليس بجهود وزارة العدل والحرية وحدها وإنما بمساهمات الكافة وضمن ذلك الأطراف الحكومية وعلى رأسها العدالة يعني مكونة العدالة ولكن جميع المواطنين لأنه على سبيل المثال إذا ما تعاون المواطنون مع العدالة فستكون هذه العدالة قادرة على أن تكسب رهان التخليق والله الموفق